Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, La Tempête de l'Info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Attaque meurtrière de Basalogo. Le Mali et le Niger apportent leur soutien au Burkina Faso. Le 24 août 2024, le Burkina Faso a subi une attaque d'une rare violence qui a coûté la vie à plusieurs civils. En soutien au peuple burkinabé et à son président dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Niger ont apporté leur soutien ce lundi 2 septembre 2024 où une délégation composée des émissaires des deux pays se sont rendus à Ouaga. Conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, et le ministre de l'Intérieur du Niger, le général Mohamed Toumba. La délégation a traduit la compassion et la solidarité des présidents de l'Alliance des États du Sahel et de leurs peuples respectifs au président du Burkina Faso et au peuple burkinabé à la suite de l'attaque terroriste survenue le 24 août 2024 à Basalogo. Je cite, « Nous avons compris avec une grande tristesse et l'affliction des événements malheureux, l'attaque terroriste lâche ayant visé des populations paisibles de Basalogo. Il n'y a pas que le Burkina qui est éploré. C'est toute la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui est endeuillée, fin de citation, a déclaré le colonel Abdoulaye Maïga. Toujours dans son allocution, le colonel Maïga a rappelé la détermination des trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel à lutter pour l'éradication du terrorisme dans l'espace du Sahel. Je cite, tout ce qui est fait comme effort dans ce sens, l'éradication totale du terrorisme dans l'espace AES est un objectif qui sera atteint grâce au leadership de nos chefs d'État, fin de citation, a-t-il indiqué. Il a enfin rappelé la pression militaire engagée